putain. Vas-y, on va se cacher là. T'aurais pu trouver mieux que ça, le vieux. On va se cacher sous le lit. Vite, Léo, cache-le sous le lit. Les vieux comme le monde, c'est le premier endroit où ils regarderont. Ça marche bien dans les films. Allez. Allez. Le mec, on dirait, il sait où je suis. Là-dedans, ça dit quoi? Des dingues. Quoi, et tous les deux? Tu me prends pour qui? Pas question que je m'enferme avec un autre type. Allez, vidéo, on n'a pas le temps. Hé, hé, je me sers pas trop. Ah, bougez. Non, écoute. Moi, tu bouges. Silence. Qu'est-ce que... Bon, ça, ah, c'est gênant. Bon, cette fois-ci, on va essayer de ne pas se cacher. Pourquoi pas dans ce placard? Des dingues. Et dire que la journée avait si bien commencé. Vito, mais qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Mais c'est sérieux? Sur le balcon. Mais il est con. Voyons, Vito, tu m'as dit qu'on avait peu de temps. Oh! Le script est buggé. Oh! Pito, mais qu'est-ce que tu fous ici? Attends, Mais non! Faut que j'aille trouver des draps à la buanderie. Et dire que la journée avait si bien commencé. Putain. C'est où la buanderie? Oh, putain de mes couilles. Mieux de flinguer ces salauds. Et merde. Mais il m'a pas vu. Ok. C'est pour que j'ai trouvé les draps. J'ai trouvé les draps. Enfin. Je suis bien d'accord.
affaire de Carlo. Et donc ? Mais il a un dernier obstacle à éliminer. Comment tu sais ça ? Je vais faire venir. Et donc ? Et donc on se ferait 11 000 billets rien que pour livrer l'héroïne au dealer. Oh putain. Ça fait 7 500 net pour un...